Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo de taille les gars. Parce que regardez ce que j'ai reçu. Il n'y a que des vêtements dedans. Merci Don't Call Me Jennifer pour tout ça. Vous m'avez énormément gâtée et je suis très contente de collaborer avec vous. C'est vrai que j'ai été cliente de Don't Call Me Jennifer et ça fait très longtemps que je me suis pas habillée là-bas. J'ai vu qu'ils ont glow up. Leur ligne éditoriale a vraiment évolué et a vraiment s'est mis au goût du jour. Et du coup je suis là aujourd'hui pour vous montrer toutes les pièces qu'il peut y avoir aujourd'hui sur leur site. J'ai déniché des petites pièces vraiment sympas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner niveau qualité, niveau matière, niveau taille aussi. Puisque je dois quand même vous avouer que niveau taille, j'étais un peu à l'aveugle. J'étais un peu comme ça à tâtons. Moi, dans mes souvenirs, ça taillait assez petit. Je prenais souvent du XS. Donc on verra ce que ça va donner. On verra si j'ai eu raison d'écouter mon instinct. Je vais également vous faire les essayages portés. Donc vous aurez ma réaction puisque ça fait quelques jours que j'ai reçu le colis. Je l'ai ouvert. Mais j'ai pas du tout déballé les articles. Let's go. Si on veut parler prix, franchement les prix restent quand même assez raisonnables. Si vous êtes étudiante ou si vous avez peu de moyens à mettre dans les vêtements, ça reste un très bon compromis. Donc là nous avons, bah parfait, en plus il y a les étiquettes, donc je pourrais vous montrer également les prix pour que vous rendiez compte un petit peu. Donc j'ai reçu ça très rapidement. Voilà, le colis je l'ai reçu en quasi 24h-48h. Alors là du coup nous avons un petit pantalon en lin. J'adore parce qu'il y a vraiment une diversité au niveau des produits, des catégories, au niveau du style et des matières. Il y a vraiment de tout. On adore le lin comme ça là pour le printemps, l'été. Donc le pantalon coûte 22€ et je l'ai pris en 32. J'ai peur aussi au niveau de la longueur, je fais 1m60, je suis assez petite. Tous les pantalons larges et même les jeans ne me vont jamais. C'est une catastrophe, je suis obligée de toutes les prendre. Alors, niveau de la taille, on est bien, ça ferme. Comme je m'en doutais, voilà. Donc un peu trop long, donc bah écoutez, je vais le reprendre. Il taille bien, j'ai bien fait de prendre du 32 parce qu'il me sert bien. C'est une veste en jean coupée en bas. Ça j'adore, par contre, ça fait un style très destroy, j'adore. Elle est à 25€, elle est archi pas chère, putain. Je l'ai prise en M parce que je crois qu'ils disent oversize dessus, mais je sais plus. Et voilà, j'aime bien, elle est bien taillée, je trouve. Moi, elle est un peu crop top, mais pas trop, donc c'est cool. Donc assez sympa. On aime bien. Ensuite on part sur un petit top. Ils ont une catégorie de basique qui est vraiment ouf. Et moi j'adore les sites qui ont des basiques comme ça. Moi je trouve que dans une garde-robe faut avoir des basiques et faut en avoir le plus possible, parce que c'est comme ça que tu fais des meilleures tenues, je trouve, avec des basiques. Enfin la matière est côtelée en fait. Alors j'ai peur, j'espère qu'il va pas trop me serrer et qu'il est pas trop transparent. Il me sert un peu, donc limite j'aurais pu prendre du M. Si vous avez une grosse poitrine, je conseille de prendre une taille au-dessus parce qu'il a tendance à serrer vachement ici là. Et sinon il est pas si crop top que ça, enfin ça va. Ah ça, ça prenait toute la place dans le colis. J'ai pris un blazer parce que leur blazer était pas mal. Donc il est violet comme ça, il est trop beau, il a des grosses poches et du coup il coûte 35€. Il m'a l'air assez doublé. Donc là en fait vous avez des épaulettes mais qui restent pas trop non plus trop marquées. Je trouve que ça va. Et il est assez long. Genre regardez moi ça. Mais j'adore, il y a des grandes poches ici. Et je le trouve trop joli, la couleur magnifique, on adore. J'ai pris un sweat rouge. Donc là par contre c'était des doubles tailles. Donc c'est à dire c'était soit ML, soit XSS. Enfin bref vous avez compris. Et le sweat coûte 19 balles. C'est XSS, il est hyper grand. Et franchement il a l'air bien doublé. Il a l'air pas trop. Alors dedans c'est du molleton. Ma passion. Alors vraiment il est très large. Genre regardez moi ça. Pour moi c'est équivaut à du L. Vraiment. Nous allons passer sur notre catégorie de vêtements. C'est une combinaison. Mais en fait, moi, ce qui est compliqué, c'est que généralement, ma taille du haut va pas avec ma taille du bas. Donc, généralement, ça s'associe pas trop. Donc, je vais essayer ça et je vais vous dire. Let's go. Vous voyez pas le M, elle m'arrive très bien. En fait, elle m'arrive vraiment aux chevilles. Elle tombe très, très bien. Vous voyez? Ça fait un très beau décolleté, je trouve. J'ai beaucoup aimé. J'espère qu'il va rendre comme l'impression qu'il rend, parce que j'adore les petits tops comme ça. Enfin, il est au prix de 17€ et je l'ai pris en S. Donc vous voyez, c'est un petit top comme ça à volant, très mims. On adore, je vais l'essayer, on va voir ce que ça rend. J'adore les petits détails là, sur les épaules et tout. Je suis trop fan, j'adore. Ils ont des trop belles casquettes, donc j'ai trop voulu essayer. J'adore le côté un peu destroy avec l'écriture. Elle était à 7€ si ça vous intéresse. Waouh! Mais j'adore, elle est trop jolie. J'adore la couleur, l'écriture.
J'attends beaucoup de ce jean, je vous le dis. Je galère à trouver un jean blanc. J'en ai essayé plein partout, aucun me va. Il m'a l'air assez grand à la taille, mais on va voir. Et en bas, il est coupé, tout ce que j'adore. Il est au prix de 25 €, donc pour un jean, ça va, ça reste très abordable. Bon, un petit peu large au niveau de la taille, mais vu que c'est élastique, ça va, ça sert plutôt bien. Sinon, après, au niveau de la longueur, il tombe pile poil aux chevilles. J'adore la coupe. Ensuite, on est sur une petite chemise comme ça, un peu asymétrique. Vraiment, on adore. Elle est assez grande, je l'ai pris en S. Ça, c'est le style de chemise que je vais kiffer mettre genre cet été. Vous voyez, un peu avec un petit haut blanc en dessous, genre le petit haut que je vous ai montré tout à l'heure. Mais elle est assez oversize. Moi, je compte la porter ouverte. Alors, c'est une matière popeline, donc assez rêche. Je vois cette chemise un peu partout. J'adore le style que ça renvoie. Du coup, j'ai repris un jean. Alors là, je me suis dit, c'est tout rien. Clairement, c'est soit il me va, soit il me va pas. Donc là, c'est un jean wide leg, comme ils les appellent. Donc très large. Au niveau de la taille, ça m'a l'air pas mal. Il est à 25 €. Et des jeans comme ça, wide leg, large avec des trous, généralement, ils sont à des prix un peu excessifs. Il me va au niveau de la taille et tout. Je suis très contente parce qu'au niveau des tailles, je suis bien. Mais encore une fois, trop long. J'ai trop hâte de le porter. Il est trop beau. Ah là, vraiment, on slalom entre jean, chemise. Là, on est sur une chemise et qui va rester avec ce thème-là, donc du lin. La chemise est plus foncée que le pantalon, donc je pense pas que ça, que ça soit un ensemble qui aille avec. Donc là, elle coûte 19 € et je l'ai pris en S. Là, il n'y a rien à dire, elle est magnifique. Je sais pas encore comment je vais la porter, mais j'adore le style. Je pense que je l'aurais jamais acheté de moi-même. Je pense que la chemise ouverte avec un petit top blanc en dessous, magnifique. Ah non, mais là, donc comme Jennifer, vous faites un sans faute. Je m'attendais vraiment pas à ça, je suis très surprise. Là, nous sommes sur un nouveau pantalon et ce n'est pas le dernier. C'est un pantalon large blanc. Par contre, la matière choquée, elle est hyper agréable. Après, au niveau des jambes, bon, pareil, il m'a l'air très long, mais c'est juste une histoire de longueur. Moi, j'accepte. Hein. Sur un pantalon blanc de costume là, mais il n'y a pas de poche, mais il est magnifique, mais trop joli. J'adore. Là, on est dans le dernier top 5 des vêtements, je crois. Nous partons sur une petite robe. On n'avait toujours pas regardé de petite robe pour l'instant. Assez près du corps, assez moulante. Mais en fait, elle est froncée là au niveau du milieu. Je crois qu'elle arrive au niveau du au-dessus des genoux, quelque chose comme ça. Et elle est à 19 €. Mais là, magnifique, il n'y a rien à dire. Bon, j'ai pas de soutien-gorge, donc elle est peut-être un peu transparente. La taille est parfaite. Tu peux vraiment l'ajuster comme tu veux. L'effet polo comme ça, là, on adore. Et l'effet froncé, mais c'est un corps, mais magnifique, quoi. J'adore, y a rien à dire les gars là, franchement. Donc là on est sur un pantalon un peu cargo, wide leg, voilà, parce qu'en fait c'est un pantalon comme ça, beige, avec des poches sur le côté, mais large. Et du coup voilà, je les prends en 34, 29 €. Écoutez, très sympa, à essayer. Donc petit pantalon, il me va au niveau de la taille, bon un peu, voilà, mais très bien. Trop bon. Donc à retaper pour enlever quelques centimètres encore une fois, mais sinon très bien quoi. Et ensuite, on rentre dans le top 3. J'ai tenté de prendre la nouvelle collection de Danae, parce que Danae a sorti une collection il n'y a pas très très longtemps. Là, du coup, j'ai pris le t-shirt, parce que le reste de la collection, j'étais pas trop fan, en fait. Ça faisait très... j'ai pris le t-shirt comme ça, butterfly. Alors j'aime bien l'écriture, c'est assez épais. Ça change des t-shirts que j'ai. Et donc là pareil en fait on est sur un système de double taille. Donc là j'ai pris XSS parce que pareil il m'avait l'air très oversize. Ce qu'on va faire c'est que je le porterai avec un des jeans comme ça, je vous le montrerai. Et il a 12 €, donc ça va. Pour une collection avec quelqu'un, ça va. Donc le t-shirt de Danae, là de la collection de Danae, très large, très oversize, comme de toute façon c'est marqué, hein. Très long etc. Mais j'aime bien le style, je pense qu'il peut être bien porté là. On valide. C'est une petite robe très Bridgerton. Donc très violet, très petite fleur, très dans la prairie, très mignonne, bouffante. Pareil, j'ai pas de poitrine, donc j'ai peur qu'au niveau de la poitrine, au milieu, ça m'aille trop grand. Et en fait, derrière, dans le dos, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a un système de lassage, là, de tu peux serrer, faire comme tu veux. Donc j'ai trop hâte de la voir. Elle a l'air vraiment très mignonne pour l'été, on va pas se le cacher. Elle est à 25 €, et du coup, ouais, je l'ai pris en S, mais je pense que j'aurais trop voulu la prendre en XS. Les gars, j'ai bien fait de prendre du S, parce que je pense que XS, ça me serrait trop. Donc c'est très joli, le dos est magnifique. Tu peux régler là au milieu. Et elle est trop mignonne, enfin on regarde pas ça, c'est le bordel. Bref, elle est trop jolie. Et pour le dernier article, et on ne dépasse toujours pas le prix de 35 €. Là on est sur du 29 €. C'est une veste blazer sans manches, blanche, très grande dame, vraiment on adore. Tu peux même la fermer avec une très belle tenue en dessous. C'est le genre de haut, j'adore. C'est la fin de cette vidéo.
franchement, les gars, il y a vraiment un sans faute sur tous les articles. Je suis absolument pas payée pour vous parler de ça. Ce n'est que mon avis. Enfin, je suis là pour vous guider et vous dire les choses qui ne vont, qui ne vont pas. En plus, j'ai essayé vraiment de crash tester vraiment tout un panel d'articles sur le site. Mais clairement, tout est ok. Sur les jeans, on est pas mal. Sur les pantalons, j'ai été surprise plusieurs fois par plusieurs articles. N'hésitez pas, vous, à me partager votre expérience dans les commentaires si vous êtes cliente chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous achetez encore chez Don't Call Me Jennifer, si vous allez le faire. Mais vraiment, je vais vous faire des petits reels là sur Instagram, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à checker la description, je vous mettrai tous les liens. Puis n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.